Mon ange. Tu sais quoi? Ma copine rentrera demain. Donc, s'il te plaît, reste loin de moi pour l'instant. Jusqu'à ce qu'elle rentre, d'accord? Quoi? Je devrais rester loin de toi. À cause d'Ada. Est-elle mieux que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Non, il ne s'agit pas de ce qu'elle a. C'est juste qu'il s'agit de ma fiancée, ma future épouse. Ta future femme. Alors qui suis-je? Réponds-moi, Desmond, qui suis-je? Celle qui réchauffe ton lit? Vraiment? C'est à ça que tu me réduis? Mais non, tu n'es pas négligée. Est-ce que je ne prends pas soin de toi? Est-ce que je ne te donne pas toute mon attention? Hein? Je pensais que c'était demain. Mais... elle n'est pas fâchée. C'est à moi que tu demandes. Allez, debout, debout. Pars, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Va-t'en d'ici avant que ça ne s'enflamme. Debout, vas-y, va-t'en, va-t'en, va, pars d'ici, va-t'en. Attends! Ne me pousse pas comme ça! Donne-moi mon sac, Je vais ramasser mes chaussures. Qu'est-ce que c'est que ça? Bébé, je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis vraiment désolé. Est-ce que je me suis plaint? Pourquoi n'es-tu pas en colère? Vraiment, Desmond? Tu me poses la question. Tu devrais réagir. Parce que ça ne vaut pas ma réaction. Je suis désolé. Ça ne se reproduira plus jamais. Je te le jure, c'était la dernière fois. Je ne sais même pas ce qui m'a pris. Desmond, c'est la troisième fois. La même fille. Je ne te supplierai pas d'arrêter. Une fois ma patience épuisée, je m'en irai. Aucune de tes supplications ne me fera rester ou me fera revenir. Bébé... Ne me touche pas! Desmond, que veux-tu vraiment? Pourquoi ne cesses-tu pas de me manquer de respect? Regarde comment je te supplie dans ma propre maison. Désolé. Je ne suis qu'un bébé, s'il te plaît. Cette fille ne m'arrive même pas à la cheville. Je suis belle, j'ai tout ce qu'un homme veut. Que veux-tu d'autre? Nous les hommes, nous sommes comme des enfants, s'il te plaît. Prends-moi comme l'un de tes enfants, s'il te plaît, je ne comprends pas. Désolé. Nico. Tu ne cesses de dire désolé, désolé tout le temps. Désolé tout le temps, c'est ça qui arrangera le problème. Je t'aime. Je t'aime. Mais puce, tu n'as rien fait. Pourquoi n'as-tu pas mis cette fille à nu? Je ne pouvais pas. Et en plus, elle ne s'est pas jetée sur lui. Mais la vérité, c'est que je suis blessée. Et je ne sais pas si je peux le supporter encore longtemps. Tu es là, à mourir à petit feu, sans toutefois réagir. Gay, tu sais que je n'aimerais pas me retrouver en prison. Prochainement, appelle-moi pour que je le fasse pour toi. Que ton homme sache que tu es en colère. C'est bien que tu cries sur lui quand il fait quelque chose de mal, d'accord? Le pire dans tout ça, c'est que... elle ne m'arrive pas à la cheville. Nous devons vraiment faire quelque chose. Sinon, tu affronteras ceci après le mariage. Que Dieu m'en préserve. Vu que la fille ne vit pas loin, allons-y l'avertir pour qu'elle reste loin de ton homme. Je ne peux pas me rabaisser. Pas du tout. Ada, réfléchis. Bats-toi pour ton homme. Tu sais que je n'aime pas trop le sexe. Mais toi, tu aimes trop le sexe. Oh bébé. Toi et le sexe. Écoute chérie. Chérie, je te rappelle plus tard, d'accord? Ok. Mon amour. À qui est-ce que tu parlais au téléphone? Mon ami. Ton ami? Oui. Qui est cet ami? Non, c'est... Tu parlais de sexe avec un autre homme? C'est mon ami. Nous parlons... Es-tu devenue folle? Comment oses-tu parler de sexe avec un autre homme dans ma propre maison? Qu'est-ce qu'il y a? Es-tu devenue folle? Tu m'as giflé. Et je te referai le portrait si tu oses encore me parler de la sorte. Là, je vois. Voilà pourquoi tu ne te mets jamais en colère lorsque je fricote avec d'autres femmes. Infidèle. Tu me traites d'infidèle. C'est ce que tu es. Dévergondée. Je parlais avec mon amie Nkechi. Si tu veux, tu peux l'appeler, si tu le souhaites. Appelle-la. Regarde son numéro, regarde son nom. Donc, parce que je ne parle pas quand je te vois avec d'autres femmes. Tu penses que je fais de même, n'est-ce pas? Ah, je suis désolé. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que tu puisses avoir de telles conversations avec une autre femme. Désolé. S'il te plaît. Vois-tu, Ok, tu peux me rendre ma gifle, ok? Je rentre chez moi. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Viens là, viens là. Laisse-moi tranquille, je rentre chez moi. Gifle-moi si tu veux, frappe-moi, mais t'en vas pas, frappe-moi. Laisse-moi tranquille, je veux partir. S'il te plaît, calme-toi, calme-toi, s'il te plaît. Tu me fais mal, je veux rentrer chez moi. S'il te plaît, bébé, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Adam Wam, ma petite fille adorée, ma petite étoile. Maman. J'irai au village demain. Ah, j'espère que tout va bien, maman. Oui, tout va parfaitement bien. Demain a lieu notre réunion familiale. Oh, je m'en rappelle. Mais t'es pas obligée de partir, s'il te plaît. Ah. Reste avec moi. Tu penses que je ne sais pas? Ton petit ami m'a dit que tu ne pars pas à l'école depuis lundi. Mais je suis de retour maintenant. S'il te plaît, reste avec moi. Ne t'inquiète pas. Ta sœur est en chemin pour venir te tenir compagnie. En plus, je reviendrai à temps. Je ne mettrai pas long. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer, oh. Et je t'aime tellement, tu le sais. Je t'aime aussi, maman. Mon bébé. Mon étoile. Ada? 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 Eh? Ada? Eh, bébé? Bébé, je suis désolé, pardonne-moi. Desmond, je peux tout tolérer de toi, même faire du mal. C'est un non-non. Je suis désolé pour ça, d'accord? Ça n'arrivera plus jamais. Écoute, écoute. Je fais tout ceci parce que je t'aime et je veux que tu deviennes ma femme, s'il te plaît. Épouse-moi, s'il te plaît. Si tu acceptes de m'épouser, je te le dis sincèrement, j'aurai tellement confiance en moi que jamais plus je ne te frapperai. Je suis sérieux, épouse-moi. Tu veux que je t'épouse? Pourquoi te mentirais-je? Oui. Épouse-moi. Je veux que tu m'épouses. Pour de vrai? Je veux être ton mari, bébé. D'accord. Oui. Suis-moi dedans, je veux te montrer quelque chose. D'accord. Que diable fais-tu ici? S'il te plaît, va-t'en, c'est fini entre nous. Pars, va-t'en, s'il te plaît. Ah ah, mais elle n'est pas là, non? Allons parler à l'intérieur, s'il te plaît. Toi, qui es allé où? Faire quoi? Bébé, écoute, c'est terminé entre nous, je ne veux plus de la relation, je veux juste... Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, pardon. Ah ah. Je veux juste de l'argent pour me coiffer, c'est tout. Oh, de l'argent? Ah, d'accord. Où est ce foutu portefeuille? Voilà, prends tout ça. Je ne veux plus, prends. Hey, tu as l'argent de ton petit ami maintenant. Ne me touche pas, laisse-moi partir. Ah! Mon amour, pas mon 5. Écoute, je sais, je lui disais juste que c'était terminé entre nous. Je n'ai aucune intention. L'argent, c'était pour quoi? Pour ses services? Dieu m'en garde. Ah! C'est terminé entre nous. Je veux dire, j'étais juste elle. Elle voulait juste se coiffer. Je tenais juste à l'aider un peu. Je ne veux plus rien avoir avec elle. Je n'ai aucune intention. Je ne veux plus la voir ici. D'accord, d'accord. Ça, c'est mon bébé. Ah ouais? J'allais dire non personne. J'aime quand tu agis. Je referme le portail. Bébé? Alors, chérie, tu veux dire qu'il a fait sa proposition? Je suis contente pour toi. Wow, regarde tes bacs. C'est joli. Merci. Wow. Alors, attends. Es-tu sûre de pouvoir supporter toutes ces infidélités? Il va changer. En fait, il a changé. L'amour. L'amour. Je serai aussi aimée. Ma puce, je suis vraiment heureuse pour toi. Merci, mon ami. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? J'espère que je suis la demoiselle d'honneur. Bien sûr que tu l'es. Tu es la seule amie que j'ai. De toute façon, nous prévoyons faire le mariage traditionnel et religieux. Donc, demain, nous allons partir voir le prêtre. Et après ça, on fixera une date. Je suis tellement heureuse pour toi. Genre, regarde mon amie. Elle sera bientôt madame. Oh, wow. Félicitations. Merci. Oh. Bébé, nous devons vraiment faire ce test. Bébé, qu'est-ce que c'est que tout ça? Hein? Ce n'est pas nécessaire. Hein? S'il te plaît. Bébé, c'est nécessaire. La vérité est que tout ça, ce sont des tactiques dilatoires. S'il te plaît, allons-y. Je suis bien avec toi. Mais tu as entendu ce qu'a dit le prêtre. Il a dit que nous devons faire le test de grossesse. Le VIH, les génotypes, tout genre de tests avant de nous marier. Bien. C'est bon. On fera ce que tu veux. Je m'en fous. On peut même le faire maintenant. Si cela te rend heureuse, alors bien. Oui. Alors, pouvons-nous le faire aujourd'hui? Maintenant même, si tu veux, allons-y. Ah, d'accord. Reposons-nous d'abord. Je suis fatiguée. Alors, qu'allons-nous faire? Marions-nous. Je me fous pas mal des résultats. Peut-être tu devrais épouser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de ta faute. Ne dis pas ça, Ada. C'est toi seule que je veux. Alors marions-nous, je m'en fous. Mais c'est dangereux. Il ne s'agit pas de nous. mais de nos enfants à naître. S'il te plaît, comprends-le. Écoute-moi. On n'a pas besoin d'en parler à quelqu'un. Je propose qu'on se marie d'abord. Non. Nous allons certainement donner naissance à des SS. Oublions juste ce mariage. Après 5 ans, je me demande si tu m'aimes réellement. Bien sûr que je t'aime. Mais c'est que nous ne sommes pas médicalement compatibles. Ada, je ne veux que toi. S'il te plaît. Je ne sais rien à propos des AS et je ne veux même pas savoir. Je t'aime. Marions-moi. Mais puce, pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi es-tu si triste? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu choisi une date pour ton mariage? Pourquoi est-ce que tu pleures? Là, tu es encore surpris. Qu'est-ce qui ne va pas avec Desmond? C'est grave. J'ai un gros problème. Je ne sais pas quoi faire. Es-tu enceinte? Il ne s'agit pas de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous ne pouvons pas nous marier tous les deux. Mais pourquoi? Peux-tu arrêter et me parler? Tu sais, ça me blesse de te voir pleurer ainsi. Allez, dis-moi, c'est quoi le problème? Nous sommes tous les deux AS. Jésus. AS, tu as dit? Jésus. Heya. Oh, mon Dieu. Oh, non, 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 non. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas. Je lui ai demandé de lâcher prise. Mais il insiste pour m'épouser. Je ne sais pas quoi faire, je suis confuse. Mais puce, il n'est pas du tout éclairé sur l'anémie falciforme. L'anémie falciforme est une maladie dangereuse. Si tu insistes à l'épouser, tu finiras par donner naissance à ça. Crois-moi, tu ne vas plus pleurer. Alors que suggères-tu que je fasse maintenant? Laisse-le partir. Tu es plus éduqué que ce gars. Mais comment puis-je abandonner une relation de 5 ans, ok? Et j'aime tellement Desmond. Je ne peux pas le laisser partir. Ma puce, laisse l'amour de côté. Réfléchis bien. Pour éviter le si je savais. S'il te plaît. Ada, bon après-midi, maman. Bienvenue, ma chère. Ada. Tu pleures. J'espère que ce n'est pas Desmond. Non, maman. Une amie à l'école a eu un accident. Comment se fait-il que c'est seulement toi qui pleures? Ton amie ne pleure pas. C'est juste que cette amie est plus proche de moi. J'espère que tu me dis la vérité. Parce que je ne vous comprends pas, toi et Desmond. Je ne vous comprends pas ces jours-ci. Ah, c'est la vérité, maman. Oh, que ce soit la vérité. Je sais de quoi je parle. Mon bébé. Allons dedans. Pouvons-nous parler ici? Ok. D'accord. Je vais te trouver une chaise. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose que je veux te dire. Et Je veux que tu comprennes. D'accord. Cette fille qui vient habituellement ici, est-ce que tu l'aimes? Écoute, Ada. S'il s'agit de ces affaires de AS, je ne suis pas partant. J'ai pris ma décision. S'il te plaît, écoute. Je ne veux pas que tu te fies à des ragots. Comment te sentirais-tu si nous donnons naissance à un drépanocytaire? Un enfant à qui tu ne cesseras de changer de sang et qu'à la fin, il meurt. Aimerais-tu ça? Arrivé à cette étape, on verra. Peut-être ne comprends-tu pas à quel point je t'aime. Ada, si je ne t'épouse pas, je deviendrai fou. Nous n'avons qu'à fixer une date et marions-nous. C'est tout ce que j'attends de toi. Bébé, la société nous en voudra. Et bien sûr, notre famille aussi. S'il te plaît, bébé, essaie juste de comprendre. Je t'ai dit non. S'il te plaît, épouse-la. Non! Je sais que ça me ferait mal, mais je comprendrai. Bébé. Ada, je ne veux pas d'elle. Écoute, sois juste raisonnable. S'il te plaît, comprends-moi. C'est pour notre propre bien, s'il te plaît. Choisis une date pour moi. Rien ne nous arrêtera. Je t'aime. Ada. Ada. Maman. Pourquoi pleures-tu? Es-tu enceinte? Non, maman. Quel est ton problème? Ça fait des jours que tu pleures. Si je te demande, tu me mentiras que tout va bien. Tout va bien, maman. Je veux juste être seule. Ada, si tu ne peux pas te confier à moi, ta mère, à qui vas-tu te confier? J'ai demandé à Desmond, il m'a dit que tout va bien. Es-tu enceinte, Ada? Dis-moi. Maman, je ne suis pas enceinte. Je veux juste être seule. Ada, tu sais que tu ne vas pas bien. Si Desmond est derrière tout ça, alors pense deux fois pour ce mariage. Je ne comprends pas comment une fille ne peut pas se confier à sa mère. Si tu ne peux pas te confier à moi, à qui le feras-tu? Bébé? Oui, mon amour. Il y a ce pasteur que je voudrais qu'on rencontre pour des prières. Un pasteur? Bébé, notre problème n'est pas spirituel. Ils vont nous embrouiller davantage. Non. Ce n'est pas une confusion. C'est juste pour qu'on puisse prier. Je sais qu'on a beaucoup de demandes. D'accord. Alors, quand allons-nous? Demain matin. Ne vas-tu pas au marché demain? Ah, laisse tomber ça, c'est plus important que le marché. Tu sais, le corps est intimement lié à l'esprit, alors... Qui sait? D'accord. Pas de problème. Bien. Mm-hmm. Et que crois-tu faire? Jouer au game. Mm. Et ce jeu est donc plus important que moi? Tu manipules aussi ton téléphone. Non, j'essayais juste de discuter avec le pasteur. Ok. Alors, que veux-tu que je fasse maintenant? Viens plus près de moi. Près de toi? Oui, bébé. Cet après-midi chaud. Oui, bébé. D'accord, bébé. Cet après-midi chaud, tu veux que je vienne près de toi? Qui est-ce qui t'a dit qu'il fait chaud? Moi, j'ai pas chaud du tout. J'ai l'impression que... Ok, laisse-moi te rappeler. Oui, frère Desmond. Bon après-midi. Pasteur. Bon après-midi, je t'en prie. Pasteur, nous sommes venus te voir. Oh, ça c'est bien. Comme vous le constatez, je suis sur le point de sortir. Eh bien, nous pouvons en parler ici. Ok, pasteur, c'est elle. Oh, ma sœur, tu es bénie. Amen, pasteur. Le diable veut vous diviser, juste parce que votre futur mari se débrouille bien dans les affaires. Mais je vous rassure, après cette prière, retournez dans cet hôpital. Vous allez témoigner la bonté de l'Éternel. Amen. Amen. Merci, pasteur. Frère Desmond, écoutez, la prière vous coûtera une somme de 65 000 naira. Cette prière fonctionne? Je ne vous facture pas, je veux juste acheter quelques matériels. Mais je vous rassure une chose, une fois votre sang changé, retournez dans ce même labo et revenez dimanche pour témoigner. Oh. Oui. Pasteur, est-ce que je peux vous faire un dépôt? Ah, pourquoi pas, pourquoi pas, tu peux le faire. Alors tu m'enverras ton numéro de compte, d'accord? Je le ferai, je le ferai. Mmh. Ok, Dieu vous bénisse, je dois partir. Ok, sans souci, merci. Bébé, quel genre de travail peut-il faire qui coûterait 65 000 naira? Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne sais-tu pas que la prière, son travail ne vaut rien? Mais il a dit le travail et non la prière. J'ai très peur. Prie et travaille. Ah. N'es-tu pas chrétienne? D'accord. Dimanche alors. Bref, tu me rejoins au marché? Non, je rentre à la maison. Ah, ok. Mmh. Vas-y seul. Ok, pas de problème. Fais-moi un câlin. À plus. Non, non, non. Encore, encore. Ça n'a même pas duré. Oui. Nkechi, nous sommes allés voir le pasteur. Je ne sais pas s'il va mettre au long, mais je prie que ce ne soit pas le cas. Mm-hmm. Oui, il est allé au marché. Ah, ma puce, je te rappelle. Desmond, Desmond, mon pote. Bébé. Ah. Bienvenue, bébé. Merci. Alors, comment était ta journée? Bien, bien. Et tu es bon après-midi. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Et tu es? Est-ce que c'est toi qui lui a conseillé ce pasteur? Non, ce n'est pas moi. Mon pasteur a voyagé à Calabar pour une croisade. Mais il sera de retour mardi. Il a testé OK. J'espère que nous n'irons pas là-bas. T'es qu'une peureuse, toi. Ah. Mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Eh bien, si celui chez qui vous êtes allé n'a pas marché, alors mon pasteur peut s'en occuper. Mais bon, ce n'est pas nécessaire. Ah. Oui. Amen, oh, si tu le dis. Bref, est-ce que vous avez faim? Exactement. Qu'as-tu fait? J'ai fait du riz avec de la sauce tomate. Plus un mot, allons nous régaler. Allons manger. Allez, bébé. Bébé. Ah. Bienvenue. Oh. Arrête, je vais tomber. Oh. Je sais. Tu veux que j'essaie encore? Non, 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 non. Est-ce que tu as pris les résultats? Non, j'avais trop peur de les voir. Peureuse. Ok, alors je les prendrai moi-même. Ok. Je te vois tout à l'heure. D'accord. D'accord. Fais attention à toi. Ok. Comment ça s'est passé? Mauvaise nouvelle? Ah, la même chose. La même chose? Ah, rien n'a changé. C'est bon. D'accord. Il faut que j'aille voir l'homme de Dieu. Bébé, ce n'est pas nécessaire d'y aller. Il demande plus d'argent. Ah, tu as raison. Mais il faut que je demande à Etienne de m'emmener voir son pasteur. D'accord. C'est compris. Allons à l'intérieur. Souris. Oh, mon téléphone. Oh, je savais que ça arriverait. S'il te plaît, je veux que tu m'aides. Desmond, ce que tu me demandes est trop. Elle le découvrira. Mais si jamais je lui dis, je ne l'épouserai pas. Ne comprends-tu pas? Écoute, je ne veux la perdre sous aucun prétexte. Elle est supposée être celle qui joue cette comédie, pas toi. En plus, elle est prête à lâcher prise. Pourquoi ne fais-tu pas de même? Comment pourrais-je? Hein? Écoute, j'aime tellement cette fille. Elle ne comprendra pas. S'il te plaît, aide-moi. Si tu veux aider un ami, s'il te plaît, aide-moi. Eh bien, si tu insistes, je le ferai. Qui suis-je pour dire non? Tu es mon ami. Mais elle va te détester. Elle peut le découvrir à tout moment. Mais je pensais que tu avais dit que ton pasteur était performant en toute situation. Qu'en est-il? Eh bien, peut-être que Dieu ne veut pas votre union. Laisse tomber cette histoire. Je vais m'habiller, on y va. Donne-moi 2 minutes et on ira. D'accord, sans problème. Je t'attends. T'es un bon ami. Je vais t'aider. Je t'attends. Bébé. Mon amour. Ah, bienvenue. Merci. Notre Dieu est merveilleux. Il a exaucé nos prières. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est? Le pasteur d'Etienne sert un Dieu vivant. Je lui construirai une église. Regarde ça. Bébé! Ah! Est-ce que tu plaisantes? Le pasteur d'Etienne sert un Dieu vivant. Oh mon Dieu! Que vais-je faire à Etienne? Vas-y, dis-moi. Bébé, oui. Il mérite tout. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça venant de Dieu. Oh Seigneur, je suis reconnaissante. Écoute, nous allons nous marier. C'est tout ce qui compte. Oh. Mais bébé, rappelle-toi que le pasteur a dit que nous devons venir témoigner. Bien sûr. Nous irons avec des présents. Ouh. Pour l'action de grâce. Je t'aime, bébé. Je t'aime encore tellement. Plus, bébé. Oh Dieu. Ada, où es-tu? Me voici, oh... Ada, eh Dieu, Ada, je n'arrive pas à croire ce que tu m'as dit au téléphone. Mon Dieu, es-tu sérieuse, c'est vrai? Oui. Genre, pour de vrai? Oui. Waouh, je savais que les miracles existaient encore. Je suis tellement contente pour toi, ma puce. Honnêtement, ma puce, je remercie le ciel. Même Etienne nous a emmenés chez l'homme de Dieu. Tu vois pourquoi je te dis souvent de croire aux prophéties. Dieu a changé le statut de ton homme parce qu'il a cru. Oh oui, j'ai appris la leçon. Ma puce, je suis si heureuse pour toi. Alors dis-moi, nos projets sont tels que programmés. Genre, suis toujours ta demoiselle d'honneur. Eh oui. Je suis tellement contente pour toi, viens me faire un câlin. Écoute, attends, comme tu peux le voir, je suis déjà habillée. Attends, je vais garder ça, je vais me changer. Allons-y, je vais me changer. Oh mon Dieu, waouh. Mes puces, la grossesse te va tellement bien. C'est ce que les gens disent. Mais ma puce, ce n'est pas facile. Je le sais. Tu ne peux imaginer le stress que je traverse tous les jours. Et je mange n'importe comment. Je fais pipi n'importe comment. Ma puce, les femmes enceintes sont fortes. N'es-tu pas chanceuse? Se marier et tomber enceinte immédiatement. Sais-tu combien de femmes n'hésiteraient même pas à uriner sur elles, juste pour être enceinte? Tu es une femme chanceuse. Je suis reconnaissante. Je remercie Dieu. Alors, comment ça va? Mes chéries, tout va bien. Comme tu peux le voir, je suis là. Je peux voir. Tu es tellement belle. Merci. Alors, j'espère que tu passes le week-end avec nous. Oui, bien sûr. Oh, n'es-tu pas mon amie? Dieu merci. Comme ça, tu pourras m'aider à cuisiner. Pourquoi pas, tu es mon amie. T'inquiète pas, je vais t'aider. À quoi servent les amis? Ravissante femme enceinte, regarde-la. La mère des jumeaux. Je t'assure. Ce n'est pas facile. Ceci, sans aucun doute, ce sont des jumeaux. Mon dos. Ça ira, c'est bon. Vas-y doucement, respire. Mon dos me fait mal. Ça va, je ne peux pas marcher. Tout doucement. Doucement, doucement. Respire, 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 respire. Vas-y, respire, vas-y, vas-y, ça va, ça va, ça va. Laisse-moi, porte-moi. Je suis là, mon cœur, ça ira. Bienvenue. Bonsoir, madame. S'il vous plaît, pouvons-nous aller dans mon bureau? Bah, okay. Quelque chose ne va pas avec mon fils. Pouvons-nous parler ici? La raison pour laquelle il a de la température est parce qu'il... Docteur, souffre de l'anémie falciforme. Quoi? L'anémie falciforme? Docteur, ce n'est pas vrai. Desmond. Madame. Pourquoi vous êtes-vous mariés? Pourtant, vous n'êtes pas médicalement compatibles. Vous êtes tous les deux AS. Ce n'est pas vrai, docteur. Desmond, de quoi est-ce qu'elle parle? Docteur. Eh bien, vous devez faire de votre mieux pour l'emmener au rendez-vous. Et vous devez éviter tout ce qui lui causerait du stress. Docteur, je ne comprends toujours pas ce qui se passe. Docteur! Je reviens. Desmond, que se passe-t-il? Desmond commence à parler. Je ne sais pas de quoi tu parles. Desmond, tu m'as déçu. Tu m'as menti. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, Desmond? Si tu ne commences pas à parler, je vais quitter ta maison. J'ai juste... Puisque c'était quelque chose que je ne pouvais pas gérer, j'ai décidé de supplier Etienne de faire le test à ma place, puisqu'il est AA. Jésus-Christ! Desmond, qu'est-ce que tu as fait? As-tu vu le résultat de tes mensonges? Je sais. Je ressens la même chose. Je suis désolé. Je t'aime tellement. Je ne voulais pas te perdre. C'est pourquoi je suis allé aussi loin. Je suis désolée. Tu es désolée. Desmond, tu es désolée. Desmond, es-tu alors content qu'il tombe malade chaque jour de sa vie? Es-tu heureux, Desmond? Je sais ce que tu ressens. Je paye mon erreur. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime encore. Desmond, je te déteste. Je te déteste pour ce que tu m'as fait. Je te déteste tellement. Je te déteste tellement, Desmond. Je te déteste. Qu'est-ce que tu m'as fait, Desmond? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis désolé. Je te déteste. Je te déteste. Je suis désolé. Je vais partir. Je vais m'en aller un instant pour que tu t'en remettes un peu. D'accord, mais je vais revenir. D'accord, bébé, je reviens. Je te déteste. Laisse-moi partir. Je vais partir. Je vais partir. Laisse-moi partir. Laisse-moi, je m'en vais. Laisse-moi partir. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Reste. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je te déteste tellement. Mon amour. Nkechi, ce n'est pas bon de trop faire confiance. Que s'est-il passé? Desmond m'a déçu. Les résultats qu'il m'a donnés appartiennent à Etienne. Quoi? Maintenant, mon fils est SS. Il est allé si loin. Mais pourquoi? L'amour. Il a dit qu'il m'aime. Je vis maintenant avec mes peurs. Comment puis-je voir mon fils souffrir comme ça chaque jour de sa vie? Mais puce, ce que tu dis est terrible. Tu veux dire que Etienne a accepté de telles bêtises? Seul Dieu sait à quel point je le déteste tellement. Chérie, tu dois juste te résigner et lui demander pardon. Et si mon fils mourait? Dieu t'en préserve, ne dis pas du tout ça. Il ne mourra pas. Calme-toi juste, tout ira bien, d'accord? S'il te plaît. Mon Dieu. Ok. Chisom, mon fils, tu es maintenant un grand garçon. Merci, grand-mère. Je sais que tu aimes Odara. Oui, j'aime. Je voyagerai pour le village demain. Je te garderai beaucoup de choses. Merci, mais grand-mère, pourquoi je suis toujours malade? Tu iras mieux, mon fils. Des fois, c'est comme ça. Je suis malade tout le temps, je suis toujours couché. Je suis déjà fatiguée. Maman, j'espère qu'il ne te dérange pas. Non, 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 il ne dérange pas. Ada, dis-moi la vérité. Quoi? Pourquoi Chisom est toujours malade? Quel genre de maladie est-ce qu'il a? Maman, certains enfants sont comme ça. Il va aller bien. Alors va avec le chien spécialiste. Qu'on le soigne une bonne fois pour toutes. D'accord, maman. Avant que je n'oublie, j'irai rendre visite à ton frère demain. Maman des mamans, toujours en train de voyager. Hey. C'est à mon tour de fléchir. J'ai fini de vous élever. Ce n'est plus ces moments où je vous portais, vous tous. De gauche à droite, il est temps pour moi de fléchir. Tu as raison, maman. Profites-en. Merci, ma fille. Je vais te demander, es-tu encore enceinte? Pas encore. Pourquoi tu demandes? Un autre homme doit faire le travail pour éviter un autre enfant malade. Ok, est-ce que tu vas bien? De quoi est-ce que tu parles? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Le fait que tu aies un enfant malade ou le fait que si tu donnes naissance à un autre, il sera également malade. Chisom souffre, si tu ne le sais pas. Ok, mais quel genre de conseil me donnes-tu? Pourquoi me dis-tu ça? Ada, pourquoi c'est si difficile pour toi de comprendre? Chisom souffre. Et s'il finit par découvrir que c'est de la faute de Desmond, il ne lui pardonnera jamais. Je sais que tu n'es pas heureuse. Alors, réfléchis-y. Je ne te décevrai pas. Alors, c'est ce que tu voulais me dire? Ada, tu sais que je suis ta meilleure amie et jamais je ne te décevrai. Je te dirai toujours la vérité. D'accord? Alors, c'est ce que tu voulais me dire? Ada, réfléchis-y. C'est très important. D'accord? D'accord. Je t'ai entendu. Parlons-en plus tard. C'est compris. Allons à l'intérieur. Ok. Nkechi avait raison. Mon fils souffre. Mais comment puis-je m'y prendre? Je dois faire comme elle l'a dit. Mon mari ne le saura pas. Non, 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 Dieu m'en préserve. Non, 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 non. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Mon mari me tuera. Non, non. Bébé. Bébé. Chisom est malade. Encore? Oui. Asseyons-nous ici. C'est frais par ici. Oui. J'espère que ça ne te dérange pas. Ne suis-je pas chez mon ami? Oh. Alors. Regarde-toi, toute belle, profitant de l'argent de son mari. Et qu'en est-il de toi? Moi? Oh. Je t'en prie. Écoute, Ada, qu'en est-il de notre discussion? Nkechi. Oui? Puis-je te poser une question? Et je veux que tu sois honnête avec moi. Oui, oui, tu peux. Si tu étais à ma place, coucherais-tu avec un autre homme? Ada, si c'était nécessaire. Écoute, Ada, je sais bien que tu aimes ton mari, mais je veux que tu prennes en compte ces enfants qui naîtront. Écoute, si tu es un autre Chisom, le froid pourra le tuer la nuit. Je sais que tu as un cœur tendre, mais pense-y. Merci de t'en soucier. Nkechi, j'apprécierais vraiment si tu n'en parlais plus jamais. Ada, ok, si c'est ce que tu veux, pas de problème. Je ne vais pas te forcer. Donc, j'ai compris. Merci. S'il te plaît, pouvons-nous parler d'autre chose? Ada, pas de problème. Non, c'est bien. Bébé. C'est bien. D'accord, d'accord, je te rappelle tout à l'heure, ok? S'il te plaît, je te rappelle. Boubou. J'ai dû raccrocher à cause de toi. J'aime ce sourire sur ton visage, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Dis-moi. Bébé. Oui? Je suis enceinte. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'es sérieuse? T'es enceinte? Oui. Ah! Bébé, non! Je vais tomber! Mon bébé est enceinte! Ok. Combien de semaines? 2 semaines. Mais je ne suis pas encore sûre. Je dois encore aller à l'hôpital pour me rassurer. Ok, d'accord. Faut vraiment qu'on vérifie. Ah, ce que j'ai hâte. Oh, je suis si content. Tu vas bien? Qu'est-ce qui te fait mal? Bébé. Promise, fais de la fièvre. Je pense qu'on devrait l'amener à l'hôpital. Ok. Allons-y. Papa, je viens avec vous. Non, monte et va retrouver Favor, d'accord? On revient bientôt. Ou tu peux rester regarder tes dessins animés ou autre chose. Allons-y. Oh, mon bébé. Désolée. Allons-y. Les clés de la voiture. Ah, j'allais oublier les clés. Il y a un souci. Docteur, c'est quoi le problème? Le sang de votre fils n'est compatible à aucun d'entre vous. Madame, je suis désolée de le dire. Que voulez-vous dire? Voulez-vous dire que je ne suis pas son père? Ada. Desmond. Je suis désolée. Êtes-vous obligé de tout dire? C'est quoi votre problème? Tu triches. Regarde d'abord. Tu vois le score que j'ai eu. Tu vois ce que je t'ai dit. Tu vois ça? Il suffit juste de maîtriser ce jeu arcade que tu le contrôles, c'est bon. Comment tu vas? Je vais bien. Merci. Tata, bienvenue. Merci. Où est ton père? Il est à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Ne t'inquiète pas, il va bien, d'accord? Mon champion. D'accord, maman. Va t'asseoir. Favor, s'il te plaît, occupe-toi d'eux. Ne les laisse pas aller à l'intérieur, d'accord? Je vais à l'étage. Grande sœur, je pense que grand frère est en colère. S'il te plaît, ne va pas à l'intérieur. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ok. D'accord. Promise, viens. Comment tu vas? Je vais bien. Oui. Allez, on va jouer. Assieds-toi. Dis-moi la vérité. C'était un mensonge. Je suis désolée. Ada, tu es désolée. Je veux dire... Toi? Comment? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, bébé. Ada. Qui est le père? S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je vais... D'accord. Bébé, j'étais confuse. J'avais mal pour Chisom. C'est pourquoi je l'ai fait, je suis désolée. Je ne voulais plus d'un autre Chisom, s'il te plaît. Tu sais quoi? Je m'en vais. Non. Bébé, s'il te plaît. Ne touche pas. Bébé, s'il te plaît, ne pars pas. Desmond, reste, je m'en vais, d'accord? Bébé, s'il te plaît. Papa, mais où vas-tu? Bobo, je voyage. Un voyage pour où? S'il te plaît, ne t'en va pas. Je dois partir. Je reviendrai pour toi, ok? Mais qui m'accompagnera à l'hôpital? Ne me laisse pas, s'il te plaît. Je dois partir. Maman, pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. D'accord, je ne pleure pas. Est-ce que c'est parce que papa voyage? S'il te plaît, arrête de pleurer. Il m'a dit qu'il reviendra. D'accord. J'arrête de pleurer, ok? Où est ton frère? Il est avec Tata Fivor. Ok, va les rejoindre, d'accord? Non, je n'irai pas. Tu vas pleurer. Je ne vais pas pleurer. D'accord. Ok, tu me promets? Oui, je te promets, ok. Je ne vais pas pleurer, je te promets. D'accord. Mec, pourquoi pleures-tu ainsi? Quel est le problème? Ma femme m'a trahi. Est-ce mal de faire confiance à une femme? Pico, qu'a-t-elle fait cette fois-ci? Je ne peux pas te le dire ici. S'il te plaît, je ne peux pas le dire. Il faut juste que je décide quoi faire de moi-même. Desmond. Tu peux te confier à moi. Je suis ton meilleur ami. Nous sommes potes depuis l'enfance. Tu sais ce qu'on a traversé. Parle-moi. Etienne, est-ce que tu peux m'héberger? Je partirai demain à la première heure. Biko. Ok, pas de problème. As-tu réglé? Non, non. Serveur! Dis-moi, comment l'a-t-il su? Promis, ils étaient malades. Alors nous l'avons amené à l'hôpital. Et le docteur a dit à mon mari que son sang n'était pas compatible avec le nôtre. Jésus! Ce médecin doit être méchant. Où est-il maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Il a quitté la maison avec son sac. Et il ne m'a absolument rien dit. Et je ne sais même pas ce qu'il a dans la tête. Ada, calme-toi. Il va revenir. D'accord? Il est probablement parti parce qu'il ne voulait pas faire quelque chose de stupide. Calme-toi. Tout ira bien, d'accord? Est-ce que tu t'entends parler? De quoi est-ce que tu parles même? Qu'est-ce que tu racontes? Qui est-ce qui m'écoutera? Je n'aurais pas dû le faire. Ma puce, il est trop tard pour les regrets. Desmond comprendra. Comme j'aimerais que tu connaisses mon mari, pour qu'il parte de cette maison sans même me parler. Ça veut dire que ça ne sera pas bon pour moi. Je peux comprendre. Mais arrête de te blâmer, s'il te plaît. Il t'a mis dans cette situation. Arrête, non, arrête. S'il te plaît. Arrête. S'il te plaît. Ça suffit, s'il te plaît. Maman, tu es là? Oui. Ada, qu'est-ce que ton mari me raconte? Ada Izzy, pourquoi? Il t'a dit. Pourquoi ne devrait-il pas? Ada Izzy, pourquoi me fais-tu honte? Quand es-tu devenue une prostituée? Maman, je ne suis pas une prostituée. Tu devrais m'écouter avant de me condamner. Je t'écoute. La situation m'y a poussé. Notre sang n'est pas compatible. Nous sommes tous les deux AS. Hey! Quoi? Quand nous l'avons su, je lui ai dit que je ne l'épouserais pas. Il m'a supplié. J'ai refusé. Nous sommes allés d'église en église pour des prières. Il est venu avec les résultats des tests sanguins qui étaient AA. Il m'a dit que Dieu avait fait son miracle. Et je l'ai cru. Ensuite, j'ai découvert qu'il avait menti. Quand j'ai donné naissance à Chisom, et le médecin nous a dit qu'il était drépanocytaire. Drépa quoi? Chisom est drépanocytaire? Hey, mon oui, Dieu! Maman. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il m'a supplié de ne pas le faire. Tu aurais dû venir à la maison quand tu as su, au lieu de commettre l'adultère. Mais comment aurais-je pu rentrer? J'aime tellement mon mari. Maintenant, regarde où cet amour t'a mené. Tout le monde te pointera du doigt, ma fille. Hey! Je suis désolée, maman. Hey! Où sont tes enfants? Ils sont allés à l'école. Maintenant, monte chercher tes bagages et ceux de tes enfants. Ton mari dit que ça en est fini, le mariage. Allons à la maison maintenant. Je ne pars pas avec toi. Qu'il vienne lui-même me le dire en face. À Daisy, ma fille. Allons à la maison avant que cet homme ne rentre et te tue. D'ailleurs, tu dois aller avec promise à l'hôpital. Maman, je ne peux pas partir avec toi. Qu'il vienne me renvoyer lui-même de sa maison. Ada, je te supplie, ma fille. Je t'en supplie, allons à la maison. Je ne pars pas avec toi, maman. Je vais l'attendre. Je vais attendre qu'il revienne. Ada. Dis-moi ce qui se passe. Desmond refuse de me parler. Desmond? Il est chez toi? Oui. S'il te plaît, dis-lui que je suis désolée, d'accord? Vous me rendez confus. Que se passe-t-il? Et pourquoi es-tu désolée? Sais-tu que Desmond boit de l'alcool chaque jour? Que se passe-t-il? Que quelqu'un me parle. Ok, allons chez toi. Je veux lui parler. Non, il ne sait pas que je suis ici. Et s'il te voit, il s'en ira. Alors ne viens pas. Mais s'il te plaît, prends soin de lui. Ada, je suis le meilleur ami de ton mari. Donc dis-moi ce qui se passe pour que je sache comment gérer. Je suis toujours confus. Je ne peux pas. Ya, qu'est-ce que tu ne peux pas? Que veux-tu dire par là? Que quelqu'un me parle. Tu ne veux pas me parler. Desmond ne veut pas me dire. Alors comment vais-je savoir ce qui se passe? Ça fait des mois maintenant. Mon mari n'est pas rentré à la maison. Il ne répond plus à mes appels. Il est introuvable. Ça veut dire qu'il a déménagé et a oublié son enfant malade. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi et aie pitié de moi, s'il te plaît. Bébé, tu es là. Mon amour, tu es enfin rentré. J'ai envoyé un message à ta mère. Je pensais qu'à cette heure, tu serais déjà parti. Bébé, je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Si je dois te pardonner, alors tu devras emmener ce garçon très loin de chez moi. Desmond, as-tu oublié de si tôt? Ceci est la seule raison pour laquelle tu es encore ici. Mets cette chose hors de chez moi ou alors tu peux aller avec lui. Mon enfant n'est pas une chose. Et il n'ira nulle part. C'est ta stupidité qui m'a mise dans cette situation. Ah! Comment oses-tu me crier dessus? Tu t'es prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Si tu ne m'avais pas donné de bons résultats, je ne serais pas dans cette situation. Je te donne deux options. Ramène ce garçon chez son vrai père ou quitte cette maison. Il n'a nulle part où aller. Je suis sa mère. Alors sors de chez moi! Va-t'en! J'en ai marre! D'accord. Si c'est ce que tu veux, je vais partir. Va épouser une femme sans péché. Bien! Pars d'ici! Allons-y. Maman, pourquoi partons-nous? Papa vient juste de rentrer. Il a dit qu'il veut être seul. Mon fils ne bougera pas d'ici. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Ada, si tu traverses ce portail, crois-moi, je prendrai une autre femme. Mon fils restera ici avec moi, mais mets ton bâtard dehors! Tu devrais le laisser venir avec moi. Il est mieux avec moi. Que se passe-t-il ici? Écoute, Etienne, reste bien. En dehors de ça. Je pensais que c'était fini. Que se passe-t-il, Desmond? Etienne, écoute. C'est un problème familial. Reste en dehors de ça. Je pense connaître le problème. Etienne, s'il te plaît, ne te mêle pas de nos affaires familiales. Ada, je ne peux plus laisser cette affaire perdurer. Desmond, l'enfant est le mien. Oui. Dans quel monde de pervers est-ce que nous vivons? Etienne, sur ma femme. Alors l'amitié n'existe-t-elle pas sur Terre? De qui Ada tient-elle cette idée? Elle n'aurait pas pu avoir de telles pensées toute seule. Où était-il amant? Écoute, je te tuerai de mes propres mains, Etienne. Je te tuerai. Ma propre femme. Non! Dans quoi me suis-je mise? Il doit penser que j'ai eu une liaison avec Etienne. Que vais-je faire maintenant? Dois-je rendre promesse à Etienne et retourner vers mon mari? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Oh Seigneur, je dois aller voir mon mari maintenant. Fais bord! Fais bord! Grande sœur! S'il te plaît, viens. Dis à maman que je vais voir Nkechi. S'il te plaît, prends soin des enfants, ok? Ah, mes grandes sœurs, je sais que tu vas voir ton mari, non? Est-ce nécessaire? Vas-tu la fermer? Je te dis que je pars voir Nkechi et tu me parles de mon mari. Qui te donne même le droit de me parler comme ça? Allez, retourne faire ce que tu faisais. Désolée, oh. Comment oses-tu entrer chez moi? Comment oses-tu? Bébé. Bébé, ici c'est chez nous. S'il te plaît, pardonne-moi. Désolé. Je ne devrais pas te frapper. Etienne est la cause de tout ceci. C'est lui que je devrais frapper. Je suis désolée, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît, je ne veux pas te faire de mal. Va-t'en, Ada. Je sais que j'ai très mal agi. Bébé, s'il te plaît, je t'en supplie. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. De tous ces étiers que tu as choisis, comment as-tu pu? Tes supplications me ramèneront-elles mon honneur? Comment as-tu pu le faire avec Etienne, quelqu'un que je connais? Pourquoi? S'il te plaît, Desmond. Tu as aussi fait des choses. Et je t'ai pardonné. Parce que je t'aime. Ne peux-tu pas me pardonner juste une seule fois? Ada, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. Je ne veux pas te faire du mal. Dis-moi une chose, t'es déjà fait du mal? J'étais infidèle depuis qu'on s'est mariés. S'il te plaît, va-t'en. Vas-y, s'il te plaît. Je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas devenir fou, s'il te plaît. Je perds la tête. Hé, Ada, Ada. Qu'est-ce que tu fais ici? Ada, tout d'abord, comment vas-tu? Je te demande ce que tu fais ici. N'as-tu pas fait assez? T'avais-tu à me le jeter au visage? Hein? Tu es content maintenant? Ada, j'ai fait ce qui était juste. Je ne peux me permettre de te voir souffrir. D'ailleurs, s'il ne veut pas de toi, je t'épouserai. Tu es vraiment fou de dire ça. Tu es stupide. Tu es insensé de penser que je puisse encore faire quelque chose avec toi. M'as-tu giflé? Ada. En fait, je m'en fiche. Tu peux encore me gifler. Si ça te rendra heureuse, tu peux encore me gifler. Si tu ne quittes pas ma maison maintenant, je te ferai quelque chose de drastique. Et tu le regretteras. Quelle que soit cette chose, fais-le sur moi. Si c'est la gifle, gifle-moi. Va-t'en de chez moi. Va-t'en de chez moi. Ada, pourquoi me pousses-tu, non? As-tu oublié que tu as mon enfant? En fait, notre bébé. Je te dis de t'en aller. Va-t'en d'ici. Es-tu malade? Je suis le père de ton enfant, tu ne veux pas de moi? Ada, s'il te plaît, je t'aime encore. Si jamais je vois encore tes deux pieds ici, je vais les découper en morceaux. Va-t'en d'ici, est-ce que tu es fou? Regardez-moi ce malade, idiot. Tu me repousses? Ada. Ada. Adé. Ada. Ada, chérie Biko. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il était ici? Je t'ai appelé avec mon numéro, mais tu n'as pas décroché. Chisom, reste avec ton père. Je viens te chercher après, d'accord? Combien est-ce que tout ça fait? 30 000 Naira. Je te ferai un dépôt. Maman, s'il te plaît, n'y va pas. C'est ta maison. Papa, s'il te plaît, pardonne maman. Chisom, si tu veux la rejoindre, tu peux. Non, je veux rester ici avec toi, maman, et promise. Bébé, c'est bon. Hein? Je viendrai te chercher demain, d'accord? Je ne suis pas d'accord. Je suis un garçon triste. Si je tombe en cœur malade, je vais mourir. Dieu t'en préserve. Chisom, comment peux-tu dire une telle chose? Desmond, puis-je te parler dehors? Non, 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 je ne veux pas entendre ça. Ne me dis pas ça. Ne me dis pas ça. Comment? Pourquoi lui as-tu dit de dire ça? Comment peux-tu être si méchante? Bébé, je ne lui ai rien dit. Est-ce que tu peux enfin me pardonner, s'il te plaît? Vas-tu laisser Promise partir? Il n'a rien fait de mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Laisseras-tu Promise partir? Je ne peux pas abandonner mon enfant. Alors tu n'as rien à faire ici. Va-t'en. Je prendrai soin de mon enfant moi-même. D'accord. Je vais le laisser avec ma mère. Non. Donne-le à Dieu. Rends-le à son père. Si tu veux que ce mariage fonctionne. Non, non, non. Ne commence pas. Ne commence pas. Ne joue pas cette comédie. Arrête, non. Papa. Fils. Je suis malade tous les jours. Je suis différent des autres enfants. Mais je vis pour toi et maman. En ce moment, je ne veux plus vivre. N'en dis pas plus. Tu vivras pour nous, d'accord? Non. Je ne peux pas vivre seul avec toi. Je veux ma mère et mon frère. Ils me rendent heureux. D'accord, fils. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ramène Promise ici. Merci. Lui as-tu pardonné? Du plus profond de mon cœur, mon garçon. Merci. Chisom! Mon fils! Chisom! Les clés de la voiture, s'il te plaît! Seigneur! Abordez-moi, vite! Chérie, je suis désolé. Ce qui est arrivé. Et ça n'arrivera plus jamais. Nous ne pouvons pas interroger Dieu. Mais je te promets que tu ne perdras plus un autre enfant. Un autre enfant? Un autre enfant qui mourra encore? Non. À quoi ça sert de souffrir pendant 9 mois? Ça n'arrivera plus jamais. Jamais. Comment ça n'arrivera plus? Nous sommes tous les deux AS. Nous allons faire un suivi. S'il ne nous rassure pas de l'état de santé de l'enfant, alors je m'en irai. Ok? D'accord. Écoute, je suis désolé parce que tout ceci est juste un acte d'amour. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dobbing, sur notre site web www.aforevo-dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.